qui est éphémère, c'est quelque chose qui est instantané, on va dire. Et la nuance que j'aimerais apporter à ce thème-là, c'est que quand on va parler de l'éphémère, on va forcément parler du temps, car on va parler d'un début et d'une fin. Mais il faut surtout pas... prendre comme sujet de l'histoire le temps et non le fait qu'il soit éphémère. Et c'est ça qui est important en fait. Tu vois, genre le temps, on peut parler du temps, mais on peut parler de choses non éphémères. Il y a évolué tous les deux. Mais il est hors de question que je te rejoigne. J'ai entendu une belle phrase sur éphémère que j'aime beaucoup, c'est les mots, c'est du vent. Et en fait, ce qu'on dit à chaque instant, bah, c'est du vent. Donc soit tu le prends pour toi, tu l'enregistres et c'est quelque chose qui va rester. Soit tu le prends comme quelque chose d'éphémère et tu peux l'oublier. Voilà, c'est une belle image que je veux apporter à ce qu'on dit sur les autres. Voilà. Alors la peinture, ça fait pas beaucoup de son parce qu'au départ c'est pas de la musique, mais quand même, on peut faire un peu de bruit avec. Mais ce sera jamais aussi bien qu'un groupe de rock qui se déchaîne, qui fait caca sur scène. Est-ce que quelqu'un a déjà remarqué que quand on fait un truc qui est pas enregistré, on le fait super bien et on se dit tiens, je fais tellement ce truc bien que je vais m'enregistrer pour le mettre sur YouTube. Bref, il faut l'enregistrer. Et là, on prépare le matos d'enregistrement et là, boum, une petite LED rouge s'allume. Franchement, on ne sait plus quoi faire. On perd tous ses moyens. Et c'est la merde. Je ne sais pas comment les gens qui font du cinéma font. Surtout les acteurs, sans deck. Il faut avoir un vice caché pour être acteur quand même. Je pense qu'il faut être un peu schizo. Ouais, schizo, narcisso, mytho, il y a un truc qui déverrouille. C'est obligé. Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Un matin, on la met au feu, c'est ça? Après, il faut se contenter de petits plaisirs. Je veux dire, la vie, c'est ça, quoi. C'est ça l'éphémérité. Ça se dit, non?